j'ai couru dans ce jardin. En arrivant dans ce jardin, j'ai été mitraillée. J'ai tombé et puis on m'a laissée, pensant sans doute que j'étais morte. Le lendemain, au petit jour, je pensais m'en aller, mais je n'ai pas pu me redresser. J'avais eu les cymbales de la mitraillette. J'ai eu la cuisse traversée, l'omoplate fendue en deux, les deux jambes mitraillées. Donc, je suis restée là en attendant du secours. Ils ont fait le tour des cadavres, puis ils ont achevé tout ce qu'ils voyaient en muet. Ils tiraient à coup de revolver ou à coup de mitraillette, ils tiraient dans le tas, quoi. J'étais blessé. C'est en achevant mes camarades qui avaient sa tête sur ma jambe. Ils lui ont tiré une balle de revolver dans la tête, il m'a touché à la jambe. Après, ils nous ont couvert de foin, de fagots, tout ce qu'il y avait dans la grange. J'ai entendu un poste radio qui marchait, qu'ils avaient mis très très fort dans une maison à côté. Tout le monde était blessé, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de morts, parce qu'ils nous ont tirés très très bas. À ce moment-là, ils ont mis le feu. Quand ça me chauffait vraiment, ça m'avait brûlé tous les cheveux, ça m'avait brûlé le bras gauche. À ce moment-là, j'ai pris la décision de partir. J'ai préféré me faire tuer d'une balle que de mourir par le feu.